à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, on est sur une. Enfin, sur. Je vais vous présenter, en fait, si vous voulez, le mode aventure, enfin, le mode créatif du pack de textures plastique sur PS Vita. Donc, alors, on va déjà commencer. Je vais déjà commencer peut-être par vous présenter quelques petits. Bloc déjà. Alors, minerai de fer, minerai d'or, minerai d'émeraude. Il n'y a pas de diamant. Alors, je vois pas trop parce que. Minerai de redstone. Voilà. Alors. Donc, alors, on va déjà vous présenter. Ça. 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 La redstone de diamant. Voilà. Alors, on a le charbon. Donc c'est ça le charbon, la pistatuli, la redstone, le diamant, l'émeraude, le fer. Donc c'est en fait, je crois que c'est des petits, c'est des carrés en fait. Ouais, c'est carré en fait. On dirait que on dirait que c'est super pas détaillé. Regardez. Allez, je sais pas si vous voyez mon doigt là. Regardez là, on dirait que c'est super pas détaillé là. C'est super. Il y a un petit carré là, il y a un petit carré là, là. On voit pas vraiment le détail précis. Ouais, bon. Alors, maintenant, on va voir. On va peut-être commencer par voir les portes. Ouais. Les portes, les portes. Alors, les portes, on a. Ah, j'ai envie peut-être de cette poule. Alors. Donc, on a celle-là. Donc, la porte en bois. Celle-là, la porte en fer. La porte en sapin. La porte en bouleau. La porte en bois tropical. La porte en acacia. Et la porte en chêne sombre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être vous le rapprocher un tout petit peu. Voilà, comme ça. Alors, donc, ça reste toujours des portes. Mais il y a juste peut-être un petit détail de plus. Non, 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 non. Donc, il n'y a rien. Ah, je sais pas vous, mais les églises n'ont pas trop changé, en fait. Ouais. Elles n'ont pas changé. Après, je vais pas tout vous présenter parce que ça mettrait trop longtemps. Peut-être les têtes. Ouais, les têtes. Je vais peut-être vous présenter la tête de zombie parce que celle-là, je l'ai vue. Elle est quand même bien. Regardez. C'est quand même assez bien réalisé. Donc voilà, donc après on va peut-être passer aux œufs. Ouais, bon, j'ai pris deux fois squelette, ça fait rien. Je suis pas trop habile avec la PS Vita parce que je l'ai vu il y a plein longtemps, donc ça fait un. Alors là, je vais peut-être refaire avec l'écran tactile. On a les poissons d'argent. Ok, on a des gastres. On voit pas trop à quoi ils ressemblent. Bon. Pourquoi ils sont toujours à l'envers? Ouais, bon, ça n'a pas trop l'air de les attirer. Après, on a aussi. Le cochon zombie. Ouais, bon, lui,
Il est simple, on a le villageois, enfin on a le vagabond doré. On a le wizard squelette qui est plastifié, on dirait. Squelette. En fait, ils ont pas vraiment. Ouais, je pense que je vais pas tous vous les présenter parce que ils changent pas vraiment en fait. Ouais, non, ils changent pas vraiment. Bon, bah, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Allez, à toutes!